École de vol. Une histoire de Lita Judge. J'ai hâte de voler, dit Manchot. Quand commencent les cours? Mais, petit, tu es un Manchot, toi, répond le professeur. C'est vrai, dit Manchot, mais j'ai l'âme d'un aigle. Le professeur et son assistant Flamant Rose n'en sont pas si sûrs, mais ils décident d'accepter Manchot. Les travaux pratiques commencent immédiatement. Comme ça. Et plus haut. Plus haut. Plus haut. Manchot et les autres petits oiseaux s'entraînent pendant des semaines. Tous les oiseaux sont enfin autorisés à effectuer leur premier vol. L'un après l'autre, ils prennent leur envol. Arrive le tour de Manchot. Géronimo ! Je suis désolé, mon petit, dit le professeur. Les manchots ne sont vraiment pas faits pour voler. Comment est-ce possible ? Se demande Manchot. Quand au fond de mon cœur, le vent est ma demeure. Mais il regarde ses camarades de vol dans le ciel et il comprend qu'il doit rentrer chez lui. Manchot a tant de chagrin qu'il part sans dire au revoir. Professeur et Flamant Rose aimeraient bien l'aider. Mais comment ? Flamant Rose a une idée. Attends! Essayons une fois encore. Et plus haut, plus haut, plus haut! Tout à coup, Manchot vole au-dessus de la mer et des nuages. Manchot a raison. Il a vraiment l'âme d'un aigle. Il a juste besoin d'un peu d'aide, techniquement parlant. Malgré tout, Manchot conserve le corps dodu d'un petit manchot. Mais il s'en moque. Le vent l'a porté exactement comme il l'avait rêvé. Le petit manchot est ravi lorsqu'il rentre chez lui. D'ailleurs, il ne tarde pas à retourner à l'école de vol. Mon ami autruche a l'âme d'une hirondelle. Oh là 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 là.